comment vous expliquez que, par exemple, là, les travaux des nouveaux historiens, Ilan Pappé, Shlomo Sen, etc., là, soient pas plus connus du grand public israélien? Je veux dire, enfin, c'est quand même de l'histoire. C'est basé sur des archives déclassifiées du musée de Oui. l'armée israélienne. For understanding better the present reality and the prospects for a much better future, I thought that the best way of doing it is to point out to several mythologies, which in my own state are regarded almost as sacred historical facts, and which I, to the great displeasure of my family, decided to debunk and challenge. And I would enumerate some of these foundational mythologies, put across my own understanding of that mythologies based on my professional research, and hopefully we'll have enough time to conclude with some reasonable analysis of what the new perspective on history tells us about the present and the chances for a future solution in Israel and Palestine. A very famous mythology in Israel is that Palestine was a land without people, waiting for people without land. I'm sure that doesn't sound too unfamiliar to people in this country. And it took a while for me and others to try and convince the Israeli academic community. It was much easier to convince the more global academic community that Palestine was not an empty land when the first Zionist settler arrived there in the late 19th century. When they arrived in Palestine, the Palestinians were already enjoying a thriving cultural, social and economic life. Ils préfèrent ne pas savoir. C'est-à-dire ils se disent finalement, oui, bon, peut-être. Et alors parce qu'ils ne veulent pas se remettre en cause. D'accord. C'est ça le problème. Okay. C'est bon pour le sens. Ils ne peuvent pas se remettre en question. Parce que s'ils poussent trop loin, c'est une remise en question trop importante. Ouais. Voilà, il faut, on est là, on est sur notre terre, il faut la défendre, et voilà, bon, ben, c'est tout. Restons dans le mythe la terre sans peuple, ben ou oui, un peuple sans terre, quoi. Oui. Et donc, finalement, bon, ben, ils préfèrent gommer ce passage-là de... C'est le déni, c'est le phénomène du déni, voilà. Vous connaissez le phénomène? Oui, bien sûr. Voilà, non, c'est-à-dire le déni, voilà. C'est-à-dire, les Palestiniens, le déni, voilà. On ne les a pas expulsés, enfin, on ne veut pas savoir. Il y a une occupation, je ne vais pas savoir. Voilà. Le déni. C'est fou. Ben oui, mais... Ben oui.